Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Les amis, moi ça va nickel, merci de demander, comme d'habitude. Les gars, je suis content aujourd'hui. Oui, on se retrouve pour la cinquième saison de ce centre de formation avec le FC Ingolstadt. Voilà, on est en Bundesliga, voilà, au bout de cette cinquième saison et ça fait extrêmement plaisir. Voilà les gars, franchement c'est plutôt cool. Alors je vais vous montrer juste ce qui s'est passé en mercato parce qu'on est au 1er septembre. Du coup, j'ai fait un peu de prêt évidemment. On va aller regarder ça ici. Du coup, j'ai prêté donc le petit Moriariu. Alors Moriariu, c'est un gardien moldave. Ouais, c'est ça, c'est la Moldavie que j'avais envoyé. Ouais, c'était moldave que voilà, qui est parti du coup parce qu'il est, c'était un énorme crack. Honnêtement, il avait un énorme potentiel et voilà, je l'ai pris et je l'ai envoyé directement. En prêt, Moring, notre buteur, est parti également prêt du côté de Bournemouth. À noter que le gardien partira 2 ans. Moring sera pour 1 an. Gash, qui est également un joueur du centre de formation que je viens juste de récupérer, je l'envoie du côté de Besiktas pour 1 an. Gray, parti également 1 an en prêt. Voilà. Holzer est parti du côté de Falaman Chiao pendant 1 an également. Le petit Exposito voilà, est parti du côté de Sunderland. Et ça, ça me fait plutôt rire, forcément. Voilà, petit clin d'œil évidemment à ma carrière avec Sunderland. Donc, il est parti pendant 1 an. Le petit Miguel Exposito. Voilà, en espérant qu'il fasse de belles choses du côté des Black Cats. La Saint-Etienne nous a demandé Van der Mullen en prêt, on l'a accepté. Et enfin Robson, je crois que c'est enfin, d'ailleurs non, ah, il reste encore un cas, Estrada et Robson pardon, sont également partis en prêt, voilà, ça fait plaisir. Et le dernier petit truc qui a été fait, ça a été fait en début de saison. Si vous vous rappelez les gars, j'avais perdu un joueur à la fin de la saison, Driessen, voilà, qui était parti. Parce que voilà, il était en fin de contrat et qu'il ne voulait pas renouveler. Du coup, il est parti libre. Du coup, ce que j'ai fait, les gars, c'est que le 1er juillet, j'ai été le rechercher libre de tout contrat parce qu'il n'avait pas signé, il n'avait signé avec aucun club hein, au final. Donc, j'ai été le chercher et je l'ai récupéré. Voilà, il est là. Je l'ai récupéré gratuitement. Donc, voilà, clairement, c'est pas un achat que je fais à une autre équipe. C'est clairement. Je récupère un joueur qui n'a pas voulu signer en temps et en heure. Voilà, je l'ai récupéré le 1er juillet, donc je n'ai pas attendu. Voilà, c'était un joueur quand même qui, voilà, il peut devenir spécial. J'avais quand même pas vraiment envie de le laisser partir. Donc voilà, j'ai essayé de le récupérer. C'est pas, honnêtement, je pense pas que ce soit de la triche. C'est plutôt quelque chose de plutôt bien. Donc voilà, on va aller faire un tour du côté de nos petits recruteurs, les gars, parce qu'on va envoyer du monde, évidemment. En prêt, on a quelques rapports disponibles avant, hein, les derniers rapports moldaves, allemands et canadiens. Donc on va aller voir ces derniers rapports évidemment ensemble. Bon là, on a quelques joueurs qui sont pas très intéressants qu'on va laisser tomber. Un joli petit joueur ici plutôt intéressant qu'on va aller voir tout de suite. Voilà, sinon on laisse tomber. Le dernier rapport allemand qu'on va aller voir. Voir s'il y a 2-3 joueurs et 2-3 pépites. Hein. Il y en a une qui est pas mal là non plus. Pas mal celui-ci non plus, on va aller voir ça tout de suite. Hein. Excusez-moi, petite... Pardon, hop là, non, annulé. Et le dernier rapport, c'est le rapport canadien, du coup, qu'on va aller voir. Bon, pour l'instant, pas grand-chose du côté canadien. On va pouvoir certainement aller tranquillement. Dans 92, je ne prends pas. Je prends vraiment que les 94, hein, que les gros, gros, gros cracks. Même les 93, je ne les prends pas. Donc, c'est pour vous dire un petit peu. Allez, on va aller voir les 2-3 joueurs intéressants qu'il peut y avoir parce que je pense qu'il y en a certains qui devaient être intéressants. Le petit Brown là, défenseur gauche, plutôt cool. Ça peut être intéressant. On va voir comment il progresse. Sachant que j'ai besoin d'un défenseur gauche, ça pourrait être plutôt cool. Lui, il a pas la même coupe, il a l'air d'être sympa aussi parce qu'il a un gros potentiel. 84-94. On a une belle équipe de jeunes. Hein, en tout cas, franchement, on a des joueurs plutôt cool. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Le petit Moldave, là, il a l'air d'être très intéressant. En tout cas, celui-ci, je vais le suivre de très près. Voilà, les gars, on va au passage envoyer nos recruteurs, hein, évidemment, dans les différents pays. Bon, on va en envoyer un en Allemagne. On va envoyer l'allemand en Allemagne, évidemment, comme d'habitude. On va l'envoyer, évidemment, voilà, pendant 9 mois pour nous chercher de tout. On va envoyer un recruteur, du coup, comme vous me l'avez demandé, on m'a proposé la Finlande, les gars. Eh bien, écoutez, je vais l'envoyer, les gars, en Finlande, comme prévu. Voilà, on me l'a demandé, je vais le faire, on me l'a demandé, dernier épisode. Hein. Donc du coup, les gars, n'hésitez pas à me proposer d'autres endroits hein, pour mon recruteur pour l'année prochaine. Là, pour l'instant, je n'ai eu que la Finlande, donc je vais mettre la Finlande. Et à côté de ça, je vais mettre le Danemark, parce que c'est juste à côté de la Finlande, bon, juste à côté de l'Allemagne. Donc voilà, je me dis que c'est plutôt réaliste. Voilà, ils sont partis, ils reviendront tous les mois pour nous chercher des petits cracks. C'est plutôt cool, les gars. Voilà, bah, l'équipe, vous la connaissez, évidemment, hein, voilà, avec... Elle n'a pas changé, hein, honnêtement, elle n'a pas changé. Il reste toujours notre petit défenseur gauche à récupérer parce que
Bah, c'est toujours pas dingue. 91 de général pour Kuhn, en espérant que ça progresse un petit peu. On a toujours notre petit Guerrero évidemment sur le banc, notre Eminescu, là notre Moldave exceptionnel lui aussi, donc plutôt cool. Rizzo plutôt pas mal en défense centrale. Voilà, et puis sinon voilà, on est bien, on est une équipe qui est un peu faiblarde, mais toujours assez intéressante. On va donc les gars juste regarder le petit objectif de la saison. Il va falloir finir en milieu de tableau, donc ça c'est plutôt complicado. On verra bien comment ça se passe. Les 16e de finale de Pokal, pourquoi pas? Ben, c'est déjà fait parce qu'on est directement qualifié en 16e, donc ça va. Au niveau du centre de formation, il va falloir recruter les défenseurs, donc là normalement ça devrait le faire. Et puis voilà, pas d'objectif évidemment continental parce qu'on n'est pas encore en Coupe d'Europe. Pourquoi pas cette saison, les gars? On ne sait jamais. Pourquoi pas? Allez, une petite Coupe d'Europe, ce serait cool. Bon, ben on verra bien ce qu'on est capable de faire. On se retrouve à la mi-saison pour voir où on en est. Mi-saison, les gars, on se retrouve donc pour voir tout ce qui s'est passé en Pokal, les gars. On a passé le deuxième tour. Du coup, ce qu'on était qualifié directement au deuxième tour face à Wiesbaden. Voilà, 2-0. Au troisième tour, on est tombé, les gars, face au Borussia Dortmund et on a chuté 2 buts à 1. Voilà, bon, c'était assez logique face au Borussia. À noter, les gars, que je le précise, mais pendant la saison, on a quand même battu le Borussia Dortmund en championnat 2 buts à 1. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Ça montre qu'on peut faire de belles choses. Et justement, Bundesliga, les amis, on est donc 9e. Bon, pour l'instant, on est pile dans ce que veulent les dirigeants. Rien de fou. On a fait un début de saison très compliqué, beaucoup de matchs nuls et après bon, on a réussi un petit peu à enlever la tête. Au final, on n'est qu'à 3 points de la place qualificative pour la Ligue Europa, ce qui n'est pas si horrible que ça. Et la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions, donc à 32 points, donc on a moins de 8 points, on a 8 points de la place qualificative pour la Ligue des Champions. On va quand même dire que c'est quand même pas mal. On peut faire quand même quelque chose cette saison, pourquoi pas? Bon, on verra bien comment ça va se passer, mais c'est vrai que c'est pas exceptionnel non plus comme saison, mais c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire. On va regarder un petit peu les stats de l'équipe, voir si notre gardien, si notre ami Voldarchi, qui est toujours, voilà, meilleur passeur. Alors c'est pas le meilleur passeur, mais il en a quand même fait une. Hein. Voldarchi, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Le meilleur buteur, c'est Niklas Kocher avec 12 réalisations. Böller est à 5. Kasper à 3. Et le meilleur passeur de l'équipe, c'est Ilias Dumont, évidemment, avec 6. 5 pour Driessen et 2 pour Morelli. A noter, les gars, que comme vous le voyez, Voldarchik est blessé. Il est blessé pendant 2 mois. Il s'est fait, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Une déchirure au mollet. Voilà, il reste encore 6 semaines à Voldarchik. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi de faire sans lui. Mais même avant qu'il soit là, clairement, on n'y arrivait pas trop. Donc, ça n'a rien à voir avec. Avec lui, on va regarder un petit peu les progressions. Évidemment, les gars, s'il y en a eu plus 4 ici pour notre gardien qui est parti en prêt, donc ça c'est plutôt cool. Bon, là, on a un plus 2 ici pour Kuhn, plus 3 pour Nemec, un plus 2 ici c'était pour Moreau, le plus 2 aussi de Brink sur notre côté droit, le plus 3 de Morelli, le plus 7 oh, de Holzer déjà en une demi-saison exceptionnelle. Holzer, une demi-saison, plus 7, paf, rien que ça. Pas mal, hein, déjà, franchement, c'est nickel. Plus 1 pour Sigmund. On a le plus 1 également pour Lacaus. Nouveau joueur, hein, Lacatus, pardon. Un joueur du centre de formation qui est plutôt pas mal, donc ça peut être sympa. Eminescu plus 1, plus 3 pour Driessen, plus 3 pour Dumont. Voilà, on a quelques petites progressions sympatoches. C'est un peu embêtant, hein, ce système de progression, on les voit pas trop. Le plus 3 pour Böller, le plus 4 pour Gray, le plus 9. Plus 9 pour Esposito en une demi-saison. Pouh! Ça monte du côté de Sunderland. Il est en train de faire de belles choses, j'ai l'impression. Le petit Miguel Esposito, plutôt cool. Bon, bah écoutez, j'espère qu'il fera une aussi bonne deuxième partie de saison. Hein, c'est plutôt pas mal. Énorme. Plus 2 pour Casper. On a un plus 3 aussi pour Gage qui est parti en prêt. Voilà, on a quand même pas mal de progression. Voilà, les gars, bah, c'est plutôt cool. Hein, notre cocher, il fait plus 2. Bon, bah, c'est plutôt bien. On fait des jolies choses. À noter, les gars, petite précision. On m'a demandé pour notre gardien. On va aller regarder tout ça. Il est où notre gardien? Il est où notre gardien? On va retourner voir notre gardien. Tac, tac, tac. Parce que notre gardien, effectivement, il a des stats de passes décisives qui sont assez incroyables. On m'a demandé, mais est-ce que tu as regardé ses stats pour voir s'il n'y avait rien de fou? Alors je me suis dit en regardant, bah non, il n'y a rien de dingue. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, ok, un peu de force, un peu d'activité, mais ça pour un gardien, c'est pas dingue, tu vois. Et au final, bah, j'ai comparé avec les autres gardiens. Et bien sûr que si, en fait. Bien sûr que si, c'est phénoménal. Quand on compare un peu avec les autres gardiens, donc c'est pas ici, attendez. Quand on va comparer par exemple ici avec Vanderlinden, hein, qui est quand même un bon gardien, 70 de général, donc
Hormis le jeu du placement, etc. Donc ça, c'est toutes les stats de gardien. Bon, ben voilà, après, c'est normal. Mais là, en fait, quand on regarde ici, on se rend compte, en fait, que si, il a des stats extrêmement fortes. On le voit ici, par exemple, à 71 de vista, pendant que Van der Linden en a 65. 77, alors non, ça, c'est pas clair, mais par exemple, l'endurance à 55. La détente, elle est à 68. L'agilité à 68. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Le mec, il peut jouer sur le terrain. Le mec peut jouer sur le terrain. Clairement, on le voit ici, au niveau des passes courtes, 70 de passes courtes et 71 de passes longues par rapport à Van der Linden. Voilà, c'est quand même exceptionnel, la puissance de tir, les tacles, etc. Autant vous dire en fait que j'ai remarqué un truc, c'est que si par exemple Voldarchik, je voulais le mettre en milieu de terrain défensif, eh bien il perd que 21 unités. Il va, en gros, il est à 64. C'est un milieu de terrain défensif à 64. Voilà, ce qui est quand même énorme en fait pour un gardien. C'est quand même pas mal. Un gardien normal comme Van der Linden, si tu le mets en milieu de terrain offensif, bah il perd 33 et là il est plus qu'à 40, 45. Enfin voilà, ce qui est logique quoi. C'est énorme. Voilà, la différence elle est quand même exceptionnelle. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire, que c'était important à noter. Voilà, bref les gars, on va voir ce qui s'est passé à la fin de la saison. Tout de suite les gars, on se retrouve pour la fin de cette saison et puis on va regarder tout ce qui s'est passé, tout ça, le gameplay à la fin. Allez, c'est parti les gars. Allez les gars, c'est parti pour la fin de cette saison, le bilan de tout ce qui s'est passé évidemment, et puis le petit gameplay à la fin pour tester, tout tester, oh la poche, tester tous ces petits cracks, pardon, oh là je bégaye les gars, ah c'est catastrophique. Donc, la finale de la Pokal, ça jouera entre le Borussia Mönchengladbach et le Schalke Naunfir. Je vous rappelle qu'on a été éliminé au troisième tour hein, par le Borussia Dortmund. On va regarder ce qui s'est passé dans les compétitions européennes hein, pour un petit peu les résultats. Un joli Paris Real Sociedad en Ligue des Champions. Assez spécial de voir la Real Sociedad. Content de voir le Paris Saint-Germain, évidemment. Dans la finale de Ligue Europa, elle se jouera entre Monaco et l'AS Rome. Voyons, les gars. Joli, en tout cas, ces petites finales avec des clubs français. Et la Bundesliga, les amis, eh bien, écoutez, on est sixième à une journée de la fin. Donc, voilà, l'objectif était d'être. À la moitié de tableau, eh ben c'est clairement fait parce qu'on est sixième et on peut accrocher une Coupe d'Europe tout simplement à la fin de cette saison, mais il va falloir gagner ce match. Parce qu'en fait, si vous voulez, il nous reste un match face au Bayern de Munich, rien que ça va être très compliqué évidemment. Et le Hertha Berlin joue face, donc qui est juste derrière nous, joue face à Fribourg. Et Fribourg, ils sont 16e, donc clairement. Mon chat est à côté de moi, il est en train de m'embêter. Clairement, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. J'ai peur qu'on perde le match, clairement, et que le Hertha nous passe devant. Ça me semble évident. Il faudrait un exploit de Fribourg pour qu'on aille en Ligue Europa. Mais bon, on va essayer de gagner, les gars. On va essayer. En ce qui concerne les meilleurs buteurs, on voit que Coach a fini 5e. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 5e meilleur buteur de la saison. On va regarder un petit peu les stats de tous les joueurs, et notamment notre petit gardien, bah, une seule passe décisive. Bon, il a été feignant cette année. Seulement une passe décisive pour notre gardien. Koch finira meilleur buteur avec 20 buts, Kasper avec 10 et Böller avec 8. Dans le meilleur passeur, eh ben, ça sera Ilias Dumont à égalité avec Driessen, pardon, je vais y arriver, avec 12 passes décisives. Voilà. Et notre gardien, évidemment, qui est là avec une petite passounette. Mais c'est pas mal déjà, hein. On va pas s'en plaindre quand même, c'est déjà pas mal. Et au niveau des progressions, les gars, moi j'aime bien y regarder ici les progressions, je sais pas vous, moi j'aime bien y regarder là. On va commencer par le bas, évidemment, par les buteurs. Donc on a donc aucune progression hein, du côté de Meringue et de Robson, c'est un peu dommage. Plus 4 pour Coach, plus 3 pour Guerrero, on va avoir un plus 3 aussi pour Gage qui va revenir de près, plus 4 pour Casper, donc ça c'est plutôt pas mal. Esposito plus 11, énorme progression pour Miguel Esposito, franchement plus 11 en une saison, c'est exceptionnel. Bon, il avait fait déjà un plus 9, hein, donc bon, il n'a pas tant progressé que ça en deuxième partie de saison, mais c'est. Non, il avait fait plus 9 ou plus 7, je ne sais plus, il avait fait un gros. Je sais plus. Mais en tout cas, bon, plus 11, c'est quand même pas mal. En une saison, franchement, les gars, c'est quand même exceptionnel, hein. Plus 11 en une saison, c'est dingo. Paul Gray, plus 4, pas mal non plus. Plus 6 pour Böller. Plus 3 pour Victor Kaminski. On a du plus 2 aussi pour Vermeulen qui va revenir. Van der Meulen, pardon. On a le plus 4 ici, évidemment, de Dumont qui est à 88 de général. Hein, exceptionnel, évidemment. Plus 6 pour Driessen, grosse progression aussi. Lacatus qui a fait un plus 5 aussi, donc prêté. Hein, le petit joueur que j'ai réussi à prêter hein, au passage au mercato hivernal. Donc voilà, c'est plutôt cool. Des plus 1, un beau plus 8 ici pour Holzer aussi, énorme,
énorme, bravo. Plus 5 ici pour Morelli en milieu de terrain défensif. Oh, on a franchement du beau monde qui progresse. Le joli plus 5 de Moreau qui est à 87 de général. C'était pas gagné qu'il soit si haut, hein. Honnêtement, le petit Moreau, et finalement, il a bien progressé, donc ça, c'est plutôt cool. Plus 6 pour Nemec, grosse progression pour Nemec aussi, franchement, bravo à lui. Voilà, il y a des plus 2, les gardiens plus 4 pour notre gardien prêté, plus 2 pour Voldarchik. Il n'a pas pu faire une grosse progression aussi, bon, c'est déjà pas mal, mais il a été blessé, donc ça l'a vachement handicapé pour sa progression. Voilà les gars pour les progressions, désolé, ça met pas mal de temps parce que c'est vrai que on n'a pas d'ordre de progression, c'est quand même dommage. Mais bon, en tout cas, voilà la progression, voilà la petite équipe, les gars, elle est bien, elle est plutôt cool. On va y aller directement pour ce match, c'est ce que je propose, c'est quand même pas mal, pour essayer évidemment d'aller accrocher cette Ligue Europa. On va aller regarder un petit peu l'équipe au passage, et vous voyez qu'elle est quand même plutôt cool, hein. Franchement, on a une grosse équipe. Ilias Dumond, Riesen, Morelli vont rester évidemment au milieu de terrain. On va laisser cette charnière centrale, même avec notre petit défenseur gauche, voilà, qui n'est pas top, mais voilà, il est bien quand même. Donc voilà, notre petit Guerrero qui est plutôt pas mal ici. On va enlever Van der Linden aujourd'hui pour mettre un autre joueur. A noter les gars, voilà, je vous présente le petit coche ici qui a 65 de général, plutôt pas mal, qui a 16 ans je crois, hein, ouais, 17 ans, voilà, pas mal. Donc j'ai quelques petits cracks intéressants honnêtement sur le banc, ça peut être vraiment très intéressant. On va aller mettre un des joueurs, je vais mettre voisin qui mérite parfois de jouer. Donc on va y aller comme ça les gars, c'est parti pour ce match. Allez, c'est parti les gars pour ce match à Munich. On est à l'Allianz Arena de Munich, alors qu'il n'est pas modélisé. Voilà, c'est Sanderson Park dans le jeu. C'est dommage, je trouve ça. J'étais surpris de voir que Munich n'était pas modélisé sur FIFA 21. C'est bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est dommage parce que beaucoup de stades de Bundesliga sont modélisés, mais pas celui-ci qui est peut-être pour moi le plus important entre guillemets quand même. C'est quand même pas mal. Donc voilà, bon, c'est parti les gars. Vous avez vu que j'ai mis quelques accessoires à certains joueurs. Oui, j'ai copié un petit peu ce qu'avait fait évidemment SD sur son CDS. C'est vrai que je trouvais ça un peu plus intéressant de changer quelques chaussures, quelques trucs. Voilà, donc quelques joueurs ont quelques petits trucs qui diffèrent. Voilà, on va regarder un petit peu cette équipe du Bayern Munich parce qu'à mon avis, elle est pas mal. Hein. Je pense qu'elle est pas mal. On va aller la regarder tout de suite. Voilà, on va avoir du Richarlison, Youssef Attal en numéro 10, ok, d'accord. Serge Gnabry à droite, Rodri Fein que je ne connais pas, Leroy Sané évidemment. Alfonso Davies, Zule, Soyuncu, il est connu, je suis sûr, mais j'arrive pas à prononcer son nom. Et Kimmich à droite, bon, je pense que ça va pas forcément se mettre comme ça, mais bon, c'est un peu bizarre. Bon, c'est pas mal quand même. C'est parti, les gars, pour ce match. Objectif, la victoire aujourd'hui pour aller en Ligue Europa. Et si on perd, il va falloir espérer évidemment que le Hertha ne gagne pas, enfin, perde aussi. Donc voilà. Il se retourne, la frappe peut-être. C'était bien joué de la part de Böhler qui s'est retourné, qui a utilisé son corps pour se retourner. Le corner à suivre, attention, pourquoi pas la tête. Allez, c'est pas terminé. Oh là 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 là. Et on va essayer de se dégager tant qu'on peut, comme on peut, du côté du Bayern Munich. C'est bien fait. Oh, quel geste pour Driessen. La frappe de Driessen et l'arrêt de Neuber. Oh là là, grosse. On est bien dans ce match. Ah, il le fait, Driessen, oh, il va falloir faire mieux les gars, il va falloir y arriver dans ce match. Mais on fait un beau match, hein. On fait un très beau match pour l'instant, on domine cette équipe de le Bayern de Munich. Penalty les gars, penalty, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé les gars. Oh, je ne sais plus, là il se passe des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est généreux, mais on va le prendre évidemment. Je ne connais pas mon meilleur tireur de pénalty. Bon, j'ai clairement pas de meilleur tireur de pénalty, du coup ça sera Koche. J'ai regardé, j'ai aucun joueur qui peut. Oh la vache les gars! Ils ont tous 58 de tirs pénaux, les gars. C'est... Alors déjà que je suis mauvais, alors si en plus de ça ils me foutent des joueurs à 58 au niveau du. Ah non, là, ça va être compliqué les pénaux les gars. Bon mais c'est loupé, dommage. Pourquoi pas la frappe de Böhler. Oh, quelle belle action de Böhler. Oh, Germain, il est content de son équipe quand même, là, parce que je pense que... Ouais, la reprise, elle est belle, hein. La reprise, elle est belle de Böhler. Première attention, et là, Neuber, magnifique, arrêt. Ça sera un corner encore à suivre, on domine hein, quand même ce match, vraiment. Allez, les gars, la coup de tête, la barre. Oh, la vache, sa mère. Oh, ya, les gars, on va le regretter. Je sens qu'on va regretter.
Attention, ça peut être dangereux. Pourquoi pas, c'est bien fait. Allez, Casper. Allez, Casper, c'est pas vrai. On va le regretter, les gars. Le Hertha Berlin est en train de gagner 2-0 de l'autre côté. On va le regretter. On va pas aller en Europe à cause de rien du tout. C'est tellement dommage. On ultra domine ce match. Je ne pensais pas dominer autant. Et ah, il faut mettre les buts, les gars. Il faut les mettre. Centré, c'est le moment. Oh non, le contre-favorable! Le contre-favorable, c'est pas vrai, non! Oh non, c'est dur! C'est très très dur! C'est franchement sévère pour nous! C'est assez horrible, franchement, parce que je. Ah, le contre-favorable là! Aïe 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 aïe! Bon, bah, ça fait but, ça fait 1-0 pour le Bayern! Mi-temps! Oh, sauf la mi-temps, connard d'arbitre de merde là! Sérieux, putain! Je me suis énervé, les gars. Mais non, mais sérieux, quoi. Il siffle pas la mi-temps. Alors forcément, le ballon, il... Non. Excusez-moi, je me suis énervé. On va se calmer. On va se calmer pour la deuxième mi-temps, les gars. Je bois un coup et on va se calmer. Ouais, ça passe. Faute. Il y avait moitié faute, quand même. Hein. Il y avait quand même moitié faute, cette action. Bon, ok. Allez, il va falloir continuer à monter, les gars. On va passer en mode offensif pour essayer de faire quelque chose, parce que là il faut. On a deux buts à marquer parce que le Hertha mène 3-0, donc on n'a plus le choix. Adieu l'Europe, adieu l'Europe, c'est dommage, voilà, sur un match. C'est dommage. Ouais, c'est assez frustrant parce que si on avait mis ce penalty, je pense que le match aurait pu être totalement différent, mais là ça bon, c'est pas que ça pue la merde, hein, c'est qu'il y a 3 buts à mettre maintenant, donc clairement c'est mort. 4-0. Et Böller, la frappe et la barre, madame la malchance, là c'est assez frustrant pour le coup. C'est terminé. Voilà, fin du match et fin de cette saison. On est donc pas en Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est décevant. Alors, je vais vous expliquer surtout pourquoi je suis aussi déçu. Vous allez me dire, mais Rémi, mais pourquoi t'es déçu? Je veux dire, ça sert à rien d'être déçu. J'enlève mon écouteur parce que ça va me saouler. Pourquoi t'es déçu? Ça ne sert à rien. T'as fait une bonne saison, etc. Enfin, franchement, finir 7e, c'est quand même une belle performance quand t'es promu. En fait, non, je vous explique pourquoi. Cette saison-là, cette saison 5, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà tournée. J'ai eu juste un gros bug d'enregistrement, tout simplement. Et sauf que dans cette saison que j'avais déjà faite, eh ben, j'étais qualifié. Je jouais en fait pour jouer à la Ligue des Champions, quoi, quasiment. J'ai fini 5e, bien tranquille, quoi. Voilà. Je suis assez déçu. Et voilà pourquoi je suis un peu dégoûté. C'est vrai que, bon, après, c'est comme ça. Hein. On calcule pas toujours, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage quand même. Putain de penalty de merde là. Mais bon, bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la saison prochaine quand même pour cette fois un putain d'objectif de se qualifier pour l'Europe. Là, il n'y aura plus le choix, les gars, par contre. Et puis au moins, on aura, pourquoi pas, aller essayer de gagner la Pokal. Ça pourrait être cool aussi. Et continuer de voir nos petits cracks progresser, parce que quand même, cette centre de formation, il me plaît énormément. Et j'espère qu'il vous plaît aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce en l'air, l'abonnement et la cloche de notification si c'est pas encore fait, les gars. En attendant, gros cœur sur vous. Fuck les sauvegardes de merde, c'était Rémi. Bisous.